J'ai laissé une caméra pendant 6 mois dans une grotte. Et vous allez voir, on a eu des résultats surprenants. Regardez, là, on est hyper surpris. Mais pour de vrai, en plus. Pourquoi une grotte? Eh bien, parce que c'est cool, étrange et intrigant. Et c'est justement tout le but de l'expérience. Qui, ou plutôt quoi, va dans cette grotte? La nuit, quand il pleut, quand il y a du vent. On va peut-être voir quelque chose. Spoil, on va voir quelque chose. Donc le 6 mars 2023, avec mon fidèle compagnon du Jura, Victor Aman, on installe une caméra qui prend des vidéos automatiquement dès que quelque chose passe devant. Dans une grotte. Enfin, dans plusieurs grottes, vous allez voir. Voilà. On a trouvé plusieurs petites cavités rattachées à des parois. Et ce genre de lieu, eh ben forcément, on sait que certains animaux sauvages adorent ce type de terrain. Mais pour avoir des résultats, il faut bosser. Donc c'est bien, on a déjà trouvé le spot, l'endroit où on va placer la caméra. Et la première étape, c'est de créer une sorte de trépied naturel qui tiendra quoi qu'il arrive. Je vous rappelle que je vais laisser cette caméra dehors pendant des semaines. Mais pour avoir l'angle parfait et bien capter la faune qui passe devant, on doit prendre le temps de réfléchir. Et on veut aussi que l'image soit sympa à regarder. Et tu vois un peu la forêt aussi, derrière. Donc tout ça, eh bien, il faut faire des tests, et vraiment des tests grandeur nature. On va faire un test déjà, et hors champ, je pense. Hors champ, ouais. Ah ouais, je pensais arriver depuis là-bas pour voir depuis quand ça déclenche. Ah oui, si tu veux, ouais. Ok, c'est lancé. Pour voir si tout ce qui va passer devant va être filmé. Et pour ça, je peux compter sur Victor pour imiter un bel animal sauvage à la perfection. L'idée ici, c'est de voir si tout ce qui passe devant la caméra sera filmé. Et le résultat est plutôt pas mal. On est pas mal, hein. Parfait, moi je pense que c'est bien, hein. Tu vas avoir un peu de contre-jour des fois en fin de journée, mais là t'es pas si mal dans la grotte. Faut juste avoir de la chance maintenant. Just a bait. En début de vidéo, je vous parlais de plusieurs grottes, car un peu plus loin, nous avons trouvé une autre petite cavité qui, moi, m'intéresse. Alors on va pas se priver de deux grottes. Ça vous dérangera pas qu'on mette deux caméras pour deux fois plus de contenu? C'est génial, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que t'en penses de cet endroit? Je pense que c'est un endroit inattendu pour poser un piège photo. Moi, j'ai jamais posé dans des grottes comme ça, et justement, il va y avoir peut-être des choses inattendues. Chat sauvage, je pense qu'il va y avoir parce qu'ils aiment bien marquer dans des endroits comme ça. Lynx, franchement, je sais pas. Et puis, pas mal d'animaux qu'on a l'habitude de voir à d'autres endroits, ici, on sait pas. Je pense que ça peut être un beau bonus parce que c'est plus inattendu pour moi ce qu'on va voir ici que ce que éventuellement là-bas. Ah ouais? Ouais. C'est compliqué à poser, c'est un peu une structure bizarre. Y a rien qui met le... Et c'est bien pour ça qu'on va expérimenter, mon Victor. Nous plaçons une deuxième caméra dans la grotte. Ouais, deuxième piège posé. Et je suis déjà tout excité du rendu que je vois. Oh, mais c'est trop bien. Oh, mon Dieu! Oh, c'est trop bien, ouais. C'est exactement ça que je veux, mec. Ouais, ouais. Yes! C'est trop bien. Allez, on se retrouve dans quelques jours. On reviendra pour relever les pièges et voir si on a déjà eu du résultat. Le premier piège est toujours là. Est-ce que le deuxième sera encore là? Mystère. C'est pas de cadenas dessus, c'est ça l'histoire. Il y a rien du tout, c'est freestyle. Elle est toujours là. En voilà une bonne nouvelle. Maintenant, on récupère la carte SD. C'est trop sec. Et on visionne ce qu'elles ont filmé ces derniers jours. Et voilà, un petit SD. Tout est dessus. Alors, ok, ça c'est nous. Ouf, le son. Oh, la qualité. Ouf. C'est un vieux piège, hein. Ah, c'est vraiment un vieux taco, hein. Ça, c'est pas nous. C'était quoi? Un oiseau, peut-être. Ah, ouais. Mais la qualité de la vidéo, putain, c'est claqué au sol, mais faut que tu changes ta caméra. Hein. Bon, la nuit, ça sort, hein. La nuit, au moins, ça sort. Regarde voir depuis le début, là. Non, je vois rien. Attends, je vais mettre à fond. Moi, j'adore faire ça, en fait. Ah, découvrir les trucs comme aussi, ça. Hein. Mais l'infrarouge... Ça passe. On voit, hein. Moi, j'avais peur que ça éclaire vachement la grotte. Ah, c'est Luc qui l'a fait chier. Y'a rien, franchement, y'a rien. Fuck! Oh là là! La première semaine! Mais mec, la première vidéo! T'as dit, j'avais vu avec des traces. On va voir, on dirait t'en voir après là. J'avais vu en fait les lynx? Non, j'ai vu les traces qui sont passées là. Et je ne pensais pas que c'était le lynx, je t'avoue. T'es mon chat. J'ai tellement été surpris! Renard. Yes. C'est très cool. Ouais, c'est franchement cool. Ouais. Tu vois déjà la qualité et tout. Elle est mieux, hein. Oh là, oh, deux. Putain. Deux blaireaux. Mec, c'est ouf. Ah, ça c'est cool, les avoir les deux ensemble, c'est cool. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Je sais, non, je t'avais dit qu'ils passaient là. Je mais sais qu'ils passent souvent ici. Fuck. Ah, les boutiques, t'as vu les traces? Je t'ai dit qu'il y avait des traces là. Des petits ours. Ouais, c'est trop cool. Waouh. Oh, quelqu'un.
Mais c'est assez cool ça, mec. Ah hein. Ouais, il va se poser comme ça. Ah, il a vu la cam, il va pas aimer. C'est stylé. Il est venu se poser sur sa pierre. Je pense que je lui ai fait chier en fait. Il est trop chou parce qu'il pleut en plus. Regarde, il a fait son petit break. Waouh. C'est un trop bel cool. Individu, il est même pas borgne. Il se non, déplace il est bien. Bien. Ah, il est beau, il est beau. Ouais, il est beau. Ouais. Il vient pisser sur ton, ta caméra. Ah, ce serait cool. Que ça, tous les animaux vont venir, mec. Ouais, moi, exact, je veux. Ouais. Vas-y, pisse. Presque. Hein. Mec, je suis trop content, c'est voilà. Cool. Félicitations. Ah, bravo, ah, bah c'est le début. Sympa. Deux semaines, blaireau, deux blaireaux ensemble, c'est assez cool. Renard, lynx. Là, le Pokédex est bien rempli. Il nous manque un chat sauvage, un petit putois ou un petit rongeur, ce serait cool. Je pensais qu'on aurait plus de rongeurs. Un putois, ce serait incroyable. Il était là. Il était là. Il a mis ses pieds là. Je pense même que c'était une femelle. En vrai, faut que je reprenne les points, que je vérifie. Il était là, première session, on a le lynx. Mesdames, messieurs, ce qu'on va faire, on va changer cette caméra parce qu'elle est un petit peu vieille et vous l'avez vu, la qualité est un petit peu dégueulasse. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer cette caméra. Bon, on sait que les deux endroits sont intéressants et captent de la présence animale. Je vous ai livré tous les secrets de la préparation de cette vidéo. Maintenant, rendez-vous dans 6 mois pour une découverte totale du résultat. Révélation de la grotte, ça clape et c'est parti. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, tu me dévoiles les résultats, normalement, s'il y en a. Il y aura de toute façon des feuilles qui bougent, feuilles. Un peu de vent. On sait déjà qu'on a eu un énorme résultat dès les premiers tests avec le lynx, hein, ouais. On se souvient. C'était quand même inattendu en fait, parce que c'était pas forcément le bon moment de la saison. Et j'ai jamais eu d'image de lynx à cet endroit-là. Franchement, quoi. C'est pas des moindres, hein. C'est comme Dracofeu. Exactement, le... c'est un shiny, c'est... on a eu le lynx, quoi. C'est un truc de ouf. L'idée, c'est qu'on va essayer de faire comme un Pokédex Pokémon, essayer de voir combien d'animaux on va choper. Est-ce qu'on va choper tous les animaux du Jura? J'aime cette idée. Tu sais, quelles espèces? On va essayer de cocher une liste. Lynx, cool, renard, blaireau. Ça commence fort. Ah, la qualité est meilleure que ah bah l'autre. Ouais. Hein. Elle est vachement cool. Hein. Donc voilà, on se barre. Que s'est-il passé après? Ah, deux chauves-souris. Elles sont tout le temps là. Quoi. C'est vrai. C'est une grotte à chauves-souris. Waouh! Tellement stylé. On coche déjà la chauve-souris. C'est ouais. Cool. Bon, venant d'une grotte, c'est cool. Mais quand je suis passé dedans, on a regardé. J'ai pas vu de guano, donc les petites crottes au sol. Et j'ai en tout cas pas vu de faille où elles pouvaient se mettre. Je capte pas. Et en fait, elles sont souvent là. Tu verras. C'est quoi? C'est un petit merle, ça? Ouais. Exactement. Puis t'as les petites gouttes et tout. Non, ah, c'est génial. Trop cool. Ça, c'est une grive. Ah ouais. Trop ouais. Oh, stylé. C'est cool, quand même. Ah, il y en a plusieurs en plus, c'est quoi? Ouais. C'est, c'est des jeunes mâles. Ah, ok. Moi qui viens de checker, tu vois, on voit qu'on était un peu en hiver et tout, j'ai l'ordi pour regarder. Bah ouais, moi je me suis complètement spoilé, hein. Je sais exactement ce qu'on va voir. C'est moi et toi. Ça c'est la grande grotte depuis le fond de la grotte. Ouais, exactement. En fait, ouais. Ça c'est le blaireau, ouais. Bon ça, je m'y attendais à ce qu'il passerait ici, c'est vraiment cool. Et ils adorent marcher sur ses vrilles et je sais pas s'il va au fond de la grotte. Non. Tu vois, il passe, il fait sa vie. Ah, le renard. Le renard. Est-ce que tu penses qu'on a beaucoup d'animaux? Pas mal quand même. Bah là, c'est déjà cool là, ouais. Et tu vois, le renard, on l'a pas sur la première petite grotte, ce qui est normal, hein, parce que c'est différents passages, mais c'est cool d'avoir toute la chaîne là. Comme ça, on peut remplir notre Pokédex. Donc les caméras sont pas très loin l'une de l'autre. Non, hein. non, elles sont c'est pas ça loin. Qui est cool de se dire qu'il y a des animaux différents qui passent devant chaque caméra alors qu'elles sont assez proches. Exactement. C'est grand quand même un blaireau à chaque fois. J'adore. On s'étonne. Hein. Si t'as ourson. Si t'as une image où t'es à côté, où moi je suis à côté et le blaireau, tu te rends compte vraiment de la taille qu'ils font les machins. C'est bien cossu, hein. J'adore. Petit ourson, quoi. On continue. Ça te va comme ça, on continue comme ça? Bah, très bien. je suis absorbé par l'écran. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Ça, c'est cool, tu vois, les ambiances. Ouais. Encore du piaf. Elles viennent devant le piège. Ça. Ah, exactement. T'as déjà vu ce génial. Comportement? J'ai déjà eu une fois ce comportement. Voilà. Ah, trop stylé. Il est repassé. Trop c'est stylé. C'est le même ou la même. Moi, j'ai l'impression que c'est une petite femelle. C'est possible que ce soit une femelle, ouais. Et en fait, elle est repassée. Et cette fois, on l'a en bonne qualité, wow, tu vois. Waouh, ouais. Et elle génial. Est super bien. Femelle. Trop bien. Alors, elle marque bien. Et la femelle, mais... elle marque aussi comme ça? Ouais, les mâles et les femelles. Mais ce qui est drôle en général, c'est que t'as plutôt une femelle qui se déplace. T'as un mâle pas très loin derrière qui suit et qui vient en fait prendre des informations dans l'odeur qu'elle aurait laissée. Oh, regarde. Remets un petit peu en arrière. Tu vois l'esprit? Quand il marque, remets encore un petit peu plus en arrière. Il est presque que sur les pattes avant, regarde. Ouais. Recule un peu plus. Ah ouais. Tu vois? Ouais. Il est presque vraiment en apesanteur sur ses pattes avant. J'avoue. Alors, franchement, j'aurais pas pensé autant à cet endroit-là. Et ce qui est génial là, c'est un peu hors saison. Ouais, c'est étonnant justement. Ouais, trop bien. J'étais trop content. C'est étonnant. Oh Ouais, ça c'est assez ouf. Souris, chauve-souris. Des fois t'as des croisements comme ça. Ouais, ça, c'est trop bien d'avoir des interactions aussi. C'est trop bien. Souris et chauve-souris, j'en profite, hein. Strictement rien à voir. Ah oui, bah oui. Strictement rien à voir. Ils savent déjà. Bon. On part en jouant. Allons-y. Là, on a, je pense, c'est du chevreuil. Remets.
Chevreuil. Ouais, c'est chevreuil. Tu vois un peu les bois. Ouais, non, je regarde. C'est un... Ah, c'est un brocard. Un brocard, ouais. Un mâle. Ouais, un mâle, exactement. Pigeon. Pigeon, ouais, mais tout c'est... à fait. Mais voilà. Et ça fait plaisir. Il y a différentes espèces de pigeons, en fait. Ouais. Et là, c'est clairement un pigeon ramier, il me semble. Et c'est des pigeons qui sont beaucoup plus farouches. Il est venu dans la grotte. Ça, c'est cool. Ouais, il est venu dans la grotte. Tu vois, depuis plusieurs mois, elle est là. Tu dis, il est pas passé. Puis là, il dit, bon, bah, ce soir, je passe par là. Ce soir, il passe là, c'est ouais. C'est cool. Ah, là, c'est un oreillard. Ouais, ouais. Voilà, il me semblait bien. Ouais, là, c'est un oreillard. Tu vois ça? Ouais. Donc, on a eu... On a eu plusieurs espèces dans la même grotte. Ah ouais, là, on voit bien que c'est un oreillard. Ouais. L'autre, c'était pas du non, tout ça, non. Non, alors génial. Il y a plusieurs espèces d'oreillards aussi. L'oreillard roux, l'oreillard gris, c'est l'oreillard juste, des montagnes, montagnards. Ça, c'est une découverte un peu. Ouais. J'aurais pas pensé autant. Ça, c'est cool. Le vélociraptor. Oh, le vélociraptor. Ah, ça, c'est trop génial. Ah, ouais, génial. Donc, ça, c'est. La jolie note des bois. Ben, si vous voulez l'entendre parler plus, on en a parlé un peu pendant le film sur le lynx qu'on a fait. C'est vraiment un oiseau, j'adore. Incroyable, la deuxième. C'est les poussins. Ouais. Génial, elle attend. Et elle attend en fait. Incroyable. Elle check ses poussins, t'as vu? Hop. Incroyable. Donc ça c'est vraiment génial. J'ai jamais eu ça en vidéo. Il y en a un là-haut. On va le voir bouger là. Là ouais, hop. Ouais. En bas, là. Ça c'est de la dinguerie. Et ici. Ouais, génial. Donc c'est un... Oh, elle va dedans. Mm-hmm. Donc c'est un oiseau qui est... Bon, c'est difficile de le voir, quasi impossible en vrai. Faut vraiment aller faire des affûts et faire les choses avec beaucoup de précaution pour avoir la chance de le voir. Ça c'était vraiment le truc de cette caméra là. Tu penses? Je pense pas qu'il y aura d'autres trucs. Ah, je sais pas, tu m'as pas encore dit, mais le lynx, moi effectivement, je sais que ça parle à tout le monde, ça me parle beaucoup aussi. Mais la jolie note, c'est quand même un cran dessus. Ouais, c'est clair. Bah, c'est assez rare. Hein. Les oreillards, ça peut vivre vraiment longtemps. 20, 30 ans même. Ouais, ouais. La souris qu'on a vue, elle va peut-être vivre 3 ans maximum. Donc faut bien se dire que cette bête, son cerveau est quand même bien développé, elle se souvient de plein de trucs sur plusieurs années, etc. Là, elle est vachement curieuse, c'est trop bien quoi. Ouais, c'est ouf, hein. J'ai adoré ces images. Rien que pour ça, pour arrêter la vidéo là, on a pas mal de trucs cool. Ouais, mais on continue. Il est repassé. Pour moi, c'est peut-être pas le même. Attends, ça... génial, il se pose comme ça au calme. Là, il voit une proie. Il y a quelque chose qui se passe en bas, ouais. Là, il y a quelque chose qui se passe pour en bas. Pour moi, c'est pas le même. Hein. Je regarde juste comme ça. De ce côté, vas-y. Juste cette patte arrière. Ah non, c'est les mêmes, ok. Le pelage. Ouais, pour moi, c'est le même. Mais trois passages. Ouais, c'est ouf. T'as la date là? Là, on est au 13 juin. Juin. Là, il spot quelque chose. Hein. Là, il y a quelque chose qui peut-être se passe. Peut-être des gens. Maintenant, il bouge plus. Il attend de voir. Il va peut-être rester longtemps s'il y a des gens qui passent. Et là, c'est ouf aussi. Un truc incroyable. C'est que contrairement à un animal qui pourrait être stressé par des humains qui passent et il fout le camp, le lynx, non. Ouais. Il est plus malin. Il sait que s'il y a des humains qui passent, il a meilleur temps d'être en petite boule, comme là, pas bouger. Et en fait, les gens qui passent 50 mètres en dessous, ils vont jamais le voir. J'adore l'attitude, on le voit bien. Ouais. Prendre son temps, les yeux qui sont bien perçants parce qu'on est à la tombée de la nuit. C'est cool ou pas? Ouais, c'est génial. Et là, il est vraiment trop beau. Ouais. Il est trop calme et tout dans cette cavité. Il reste longtemps là. Tu veux que je switch? Qu'est-ce qui se passe? Il a disparu. Ah, il a disparu. Et on reprend nos chauves-souris. Oh, c'est le festival. Oublie, c'est le festival. Eh non, mais attends. C'est quoi ce spot? Et là, wow, il a checké la caméra. Là, il capte qu'à la caméra. Il voit qu'il y a un truc. Hein. Il rentre un peu dans la grotte. Full couleur et tout. C'est ouf qu'il rentre dedans. Là, comme ça, il est beau. Il est magnifique. Et ça, c'est le même, tu penses? Ouais, là, c'est le même que la c'est celui qui s'est assis, ça, c'est le okay, même. Ok. Génial. C'est la grotte au lynx. Non, mais là, c'est la grotte au lynx. J'avais pas pensé. Hein. Moi, j'aurais tout misé sur l'autre caméra à côté. Ah là. Non. Et là, regarde ce qui est ouf. Il passe à 7h du matin, là, tranquille, dans la petite grotte. Et à midi, il repasse. Ouh, mais tellement beau. Il est beau, hein. Quand j'ai vu ces images, mec, j'étais là, ok, je vais pas spoiler Victor. Ouais. Ah non, t'as bien fait. Il est tellement beau. Vas-y, pose-toi. Ouais. Ah non, il marque. Pipi. Donc c'est une femelle, tu vois. C'est propre quand même cette vidéo de lynx là. Ça, c'est vraiment stylé. Oh, ça c'est moi qui relève. Ah, j'ai de dire, c'est qui ce gaillard en short. Et là, je vois, je suis trop content parce que j'ai vu le lynx, donc laisse tomber. Maintenant, on peut regarder le passage entre les grottes. Donc attends, le passage, c'est à une quinzaine de mètres de là, non? Ouais. Et y'a rien. Oh, le chamois et le cocher. Voilà, exactement. Bien joué. Alors, je suis pas un grand cocheur. J'aime particulièrement non, moi c'est ce pour que la j'aime. Vidéo. Ouais, bien sûr. Mais ce que j'aime particulièrement moi, c'est justement, c'est du comportement. C'est quand à l'animal, il a complètement oublié qu'il y a potentiellement de la présence humaine via cette caméra et il se comporte comme il le ferait habituellement. C'est ça que je kiffe. Ouais. Donc voilà, ce qui est très intéressant, c'est dites-vous que ça, c'est la bouffe, c'est le repas du lynx. Ouais, attends. Ouais, c'est ouf. Jackpot. Pour moi, c'est non. C'est pas, pas le même individu, il est bien plus compact, mais parce que c'est pas la même saison. Il y a des galères différentes en fonction des saisons, et là, peut-être qu'il est un peu plus grassouillet. On va...
C'est la grotte aux lynx, je te dis. Ne réfléchis pas. Génial. La vidéo, je vais l'appeler la grotte aux lynx. Génial. Attends, je regarde. Et là, en fait, il faut vous dire qu'à mon avis, il a vu une proie ou il a vu quelque chose d'intéressant là. Là, ouais, il est tac, en prédation. Il spot quelque chose. Fais gaffe, il y a un mais truc. Mais t'as vu où il marche, c'est incroyable. Ouais. Hop. Et c'est ça qui est fou, je vous dis. On a vu le repas avant. T'as deux lynx qui passent et un jour après, t'as encore le repas. Incroyable. Et là, ils pourraient se faire bouffer. Les lynx, juste pour une petite histoire, ils sont spécialisés. C'est plutôt le chevreuil, sa spécialité. Okay. Mais il va aussi aller avec grand plaisir vers du chamois. Mais un chamois, c'est quand même un peu plus risqué parce qu'ils peuvent aller mieux dans les falaises, etc. Donc le lynx, il va préférer surprendre un chevreuil qu'un chamois. Mais j'ai trouvé beaucoup de carcasses de chamois. Okay. Donc il prédate ces deux en fonction des occasions qui leur sont proposées. Encore ? Ça fait beaucoup là, non? Il est trop beau, mec. Il est trop beau, ouais. On dirait, regarde le décor avec cette espèce de... Ouais, c'est trop beau. Ouais. En autre. Ouais, là, il s'est déclenché très tard. C'est ouais. Très... Hop là. Mais arrête. Et ça, c'est un autre. Mais... Je te dis la grotte aux lynx. C'est comme ça que je vais appeler la vidéo. La grotte aux lynx. On est en juin. Incroyable, incroyable. Normalement, en juin, t'as vraiment peu de passages. C'est vraiment dinguerie, ça. Hop. Le lendemain, y'a que du lynx. C'est... Mais c'est ouf, mec. Génial. Tu sais, ça me fout en transe, je suis ému. Là, c'est une autre vidéo, hein. Ouais. Ah non, mais... Ah, encore une autre. À 13h. Regarde, là, tu me dis 17h45. Le lendemain ou sur... Le lendemain, je vais... Le 14, 15, tu vois la date, là. Non, 14, arrête. 15. Arrête. Vraiment que tu m'envoies des screenshots et... Mais attends, c'est combien de vidéos, là? Attends, j'ai... En tout cas, on va refaire à peu près la même chose dans la grande grotte. Ouais, hein. Donc ce qui donne juste au bout de la première. Ouais. Donc là, en gros, bah, le lynx, il repasse, hein. Plein de fois. Plein de fois. Non, c'est tellement et beau. Il capte direct voilà, sur la caméra. Vu, il a vu. Le burger. Ça, c'est marrant. C'est assez marrant quand tu te dis. Ouais, vraiment. Aït. Oh, il pleut, c'est trop épique. Ouais, qu'est-ce que tu vas faire avec ce petit sapin? Tu as marqué? Non, je passe. Ah non. Juste. Et en fait, ce malin, il a dû passer juste là derrière. Et après, derrière la caméra, donc dans la grotte, parce qu'elle est loin, la caméra. Il est allé voir et il ressort derrière, tu vois. Ah non, c'est le festival, c'est le festival. Et en fait, ce qui est assez oublie drôle... Oublie pas, c'est souvent le même individu, hein. Je pense qu'il doit y avoir... Attends. À chaque fois que je relevais les caméras, je voyais les empreintes. Je te jure, je voyais les empreintes de l'individu. Et j'étais, oh putain, ok, bon bah, ciao. Je pense que... Chauve-souris. Bon, on va passer un peu, voilà. Comment ça, tu vas passer une chauve-souris? Ça, c'est épique avec les yeux, comme ça. On dirait une panthère. Just a panther. Magnifique, ouais. On se croirait en... Mais tu vois, il passe toujours derrière la caméra, c'est ça qui est hyper intéressant. Mais regardez ça comme il est beau. Mais là, tu vois, boum, je t'ai vu. Bah évidemment qu'il m'a vu. Mais il décide de... Au lieu de faire comme ça, il décide de passer un peu derrière. Il renifle, je crois, la caméra. Et il renifle, là. Mais comment je peux dire quelque chose quand t'as 15 images de lynx comme ça? Et de nouveau, il repasse derrière, tu vois. Il a touché carrément. Ça, je sais ce que c'est, je veux vous regarder. C'est tellement. J'étais trop content. Alors, c'est quoi, vas-y? La marthe. Exact. Comment, c'est quoi la différence? Moi, je dis juste qu'elle est là en forêt. Ouais, alors, t'as effectivement, fouine, marthe, ça se ressemble très, très, très proche. Fouine, elle peut être dans les villes et tout. Ouais. Marthe, fouine, c'est forêt, ville. Et tu peux voir ça, la différence à la bavette, comme on appelle. Oui. La bavette, elle descend. C'est si facile parce que la fouine, elle aura aussi un peu de blanc. Ouais, mais elle descend sur les pattes, beaucoup plus bas. C'est la vidéo que je t'ai montré, caméra trappe avant avec l'oreille cassée. C'est ça que j'étais là, oh mon dieu. C'est celui-là, mec. C'est lui. Mais là, il est vraiment sur l'odeur, il est magnifique. Ah ouais, là, il y a des questions. Et il prend son temps dans la petite cavité, c'est trop bien. Et là, au moins depuis un an, cet individu, parce que la première vidéo que j'ai eue, c'est la vidéo que je t'ai montrée avant. Regarde cet environnement et hop, tu vois juste l'humidité. Ah ouais, vas-y, fais l'avant-arrière. Ah ouais, génial. Est-ce qu'on va pouvoir cocher un autre animal? Ça c'est cool. Et là, paf, t'as la chauve-souris. Ça serait encore plus cool. Donc, les papillons de nuit, un truc incroyable, c'est que la diversité, donc le nombre d'espèces qu'il y a, si tu compares la diversité des papillons de jour et des papillons de nuit, t'as à peu près 200 espèces de jour et c'est plutôt 2000 espèces de nuit. Mais en Europe ou en mondial? En Suisse, c'est énorme. Mais what? Non, attends, à part ça, ça c'est encore un autre. Ça c'est en juillet. C'est encore un autre. En tu vois les taches là, rien à voir. Rien à voir. Ouais. Bon, il y a potentiellement 3 individus qui sont passés là. Et là, tu sais ce que c'est ça? Je sais ce que c'est ça, ouais. Ouais, un petit loir. Incroyable, trop bien. C'est assez rare que je l'ai en caméra trappe. J'ai un secteur, ils sont hyper actifs, regarde ça. Ouais, et t'as vu comme ils flippent et tout. Oh, avec la chauve-souris, attends. Non, ça c'est vraiment stylé. En fait, on a commencé à avoir de la bête, hein. Ah, c'est stylé. Là, Romain, il a eu peur, la chauve-souris.
Regarde. Hop là. Ils ont trop les boules, ces petits loirs. Ils sont trop beaux. Ah, et lui, c'est quoi? Je l'ai à peine vu. L'oiseau, il fait cette taille. Et il est extrêmement mignon. Les gaillards l'ont appelé le troglodyte mignon. Ah oui. Et on est dans le thème parce que troglodyte. Ouais. Voilà. Ah oui, oui, mais voilà. Je savais pas. J'aurais jamais sorti. C'est un petit oiseau et il fait un chant hyper fort. Et c'est super facile de le reconnaître. Et souvent, il loge dans des petites grottes, là, ouais, en plus il fait des surplaces. Mais il est aussi beaucoup vers les rivières. Très souvent dans les rivières. Tu sais, il fait des cavités. Ouais, exact, en mousse, ouais. Oh, ça y est, à cet endroit-là, on l'avait pas eu. Et le mec, il va dedans carrément, quoi. Oh, la goutte sur l'écran. Un fantôme. Et c'est fini. La première semaine nous a garanti les lynx, mais moi, dans ce secteur, je pariais tout sur le chat sauvage. Moi aussi. Honnêtement, je pensais pas avoir autant de résultats, autant d'animaux, autant d'espèces, puisqu'on est quand même dans une cavité. Bon, le lynx, on l'a eu dès le début. En fait, c'était un signe, les gars. Vous inquiétez pas, on sera là pour vos images. On est présents. Moi, je suis abasourdi par le nombre de lynx, là. C'est un truc de malade. On avait bossé sur le lynx et tout, et on n'a pas eu autant. Si vous kiffez ce genre de vidéo avec les caméras, les pièges photos, etc., j'en ai sorti une autre, il y en aura d'autres. Et voilà, vous pouvez aller les voir. Suivez Victor sur les réseaux et puis on fera peut-être d'autres projets intéressants comme celui-ci. Merci beaucoup Victor, incroyable. Merci à toi, trop bien. Allez, tchou bonne. Tchou bonne.